Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous montrer la peinture de Typhus, ce grand héros de Nurgle. Allez, go 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 les crocodiles! Je vais commencer en vous présentant les pots que je vais utiliser. Pour cette vidéo, nous allons commencer par un ancrage. Donc, on va utiliser du sépia. Là, c'est en gros, moi j'utilise le sépia dans des gros bidons que je reverse dans des petits pots. Donc, il y a du sépia. L'équivalent d'une couleur un peu sang. Voilà. Alors là, j'ai pris du Games Workshop, mais ça peut marcher avec plein d'autres marques différentes. Hein. On a ici une couleur chair. Là, c'est du bleu, voilà, et du vert. Allez, c'est parti pour la mise en place des encres sur notre figurine. Je vais peindre ma figurine en pièces détachées, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Si je ne l'avais pas entièrement montée, ça aurait été compliqué, hein, parce qu'il y a vraiment cette partie qui est collée à la figurine, ça aurait été compliqué, comme je viens de le dire. Donc, j'ai ouvert tous mes pots de la vie. Une petite astuce pour faire tenir le pot de la vie en dessous, je mets une petite boule de pâte à fixe. Voilà, regardez, comme ça il bouge plus, ça évite de le renverser. Hein, on fait souvent. Une fois qu'on l'a renversé, une fois son pot, c'est le genre de choses où on fait attention, on n'a pas envie de le refaire. D'ailleurs, justement, Games Workshop, ils sont bien malins là-dessus avec leur nouveau pot. Les grands pots, ben, c'est encore plus fragile. Ils ont tendance à se renverser encore plus vite. Donc voilà, hein, je mets mon lavis bleu sur certaines parties de ma pièce. Voilà, on va remettre un peu de lavis. J'en manque sur ma palette. C'est reparti. Voilà. Je viens sur certaines parties de mon insecte, de mes petits insectes. Voilà. Là, je vois qu'il y a une petite bouche. Voilà. Puis après, je viens compléter avec du vert. Vous voyez, l'avantage, c'est que les couleurs se mélangent entre elles. Ça se fait tout seul. Vu que le lavis est liquide, très liquide, ça se fait tout seul sans aucune complication. On va mettre un petit peu de couleur chair aussi. Ah, il ne faut pas hésiter à s'amuser à mettre les couleurs qui nous conviennent. Un peu de sépia, là. Voilà, on passe un peu partout, les couleurs se mélangent entre elles. On vérifie qu'on a bien mis partout. Voilà, ça passe nickel. On peut passer maintenant. Ah bah tiens, il y en a un autre petit morceau également. Hop. Mon bleu. Des deux côtés. On va finir au vert. J'ai mis vraiment les pots devant moi, hein, devant la caméra, comme ça vous permet de bien voir comment je procède. Voilà. Maintenant, bah, le visage. Le haut de la corne. Et du vert partout. On reviendra travailler la corne. Ce sera sûrement du métallique, on reviendra dessus plus tard. Donc pour l'instant, ça suffit. Ensuite, le bonhomme. Alors, je vois que là,
Il y a du bois sur cette partie-là, là un tissu. Donc je viens avec mon sépia sur cette partie, le tissu et le bois. Voilà, je l'ai bien mis partout. La main, le verre remonte. On va faire de l'autre côté aussi, vu qu'il y a la main. Un petit peu de couleur chair en haut pour les bois de la figurine. Regardez ça, avec un petit peu de vert au milieu, comme ça. Le petit signe là sur l'épaule, on va prendre du rouge, le papillon aussi. Là, je vois qu'il y a des sortes d'un signe, tout ça, enfin. Ah, le petit familier couleur chair rouge aussi également, voilà, avec le crâne. On va continuer avec le vert comme ça, toute la partie supérieure de l'armure, le derrière. Main, le bras, le dessous, un peu de sépia là, sur cette partie, le bas, je mets un peu de sépia aussi, parce qu'il y a les pieds un peu cornus là, ça ira bien avec du sépia, et hop, je viens avec du vert, tu vas prendre un peu de bleu, il reste un peu de bleu, donc c'est parti. Un peu de rouge à l'arrière. Voilà, faut pas hésiter à s'amuser à mettre toutes sortes de couleurs. Me paraît pas mal. On vérifie bien qu'on a mis notre clavier partout. Alors, on regarde bien les pieds, le familier, le bâton, toute cette partie-là. Ça me paraît correct, ça me paraît pas mal. Ah, le dessous. Ah, le dessous. Il y a encore des petites parties qui méritent un petit coup de verre. Urine. Voir si tout est ok. Ouais, cette fois, ça me paraît bien. Il y en a partout. On a fini pour cette étape qui est le lavis. On va pouvoir passer à la suite. Voilà, comme vous pouvez voir, les crocodiles, ben voilà, le lavis est sec, hein, un petit peu partout, comme on peut le voir. Donc maintenant je vais venir à l'aérographe avec du noir et je vais marquer mes ombres. Donc c'est parti. Voyez, je fais des légers passages. Vraiment, je vais viser les parties les plus sombres de ma figurine. Et progressivement, je marque les ombres. Vous voyez, ça va relativement vite, hein.
L'avantage de ce petit effet la vie, hein, comme on peut voir, c'est que ça va très bien avec Nurgle, ça fait bien ressortir toutes les parties de la figurine. Et voilà ce que ça donne sur ma figurine. Ouais, déjà, on a marqué, toutes les ombres sont bien marquées. On a accentué tout le contraste. Ah, déjà, rien que là, ça fait son petit effet. C'est bien sympa. On va pouvoir passer à la suite de la figurine. Maintenant, je vais venir avec une couleur café. Donc, c'est un marron foncé. Donc là, j'ai pris du café, mais ça marchera bien avec n'importe quel marron foncé de n'importe quelle marque. Et je vais venir sur mon noir. En fait, ça va permettre d'atténuer certaines ombres et à la fois de mettre de la couleur. En plus sur les tissus, ça me permet de colorer mon bois, mon tissu. Vous voyez, c'est très léger, mais ça va bien avec le style Nurgle, ça fait bien ressortir. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir avec du turquoise, toujours à l'aérographe. Ça va me permettre de mettre quelques nuances sur ma figurine, dans mon vert, dans mon marron, mon noir. Voilà, ça va colorer un petit peu tout ça. Alors, je vais faire quelque chose de très léger, hein. Voilà, vous voyez, juste des petites touches, mais ça fait son petit effet. Ça fait quelque chose de sympa d'en rajouter un petit peu toutes ces nuances. Allez, on passe à la suite.
Cette fois, je vais venir avec du rouge. Et je vais venir sur certaines parties de l'armure pour faire sortir le côté bubonique, tout ça, toutes les verrues ou autres, le petit nurgling. Donc c'est parti. Un petit coup sur les fesses là pour faire des petites fesses rouges. Je trouve ça excellent, c'est trop marrant. Voilà, le petit logo. J'ai un petit peu sur les sabots aussi, je trouve que c'est pas mal. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, là on a rajouté de la couleur, ça donne pas mal de nuances un peu partout, ça fait quelque chose de bien sympa. Évidemment, j'ai travaillé aussi le marron et le noir sur les petites nuées de mouches et tout. Voilà. Par contre, je vais pas venir avec le rouge dessus, je vais le laisser dans ce thème couleur. Et on a le casque aussi que j'ai posé du marron et du noir pour poser mes ombres. Allez, c'est parti, on passe à la suite de la vidéo. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Donc cette fois, je vais venir avec du blanc, poser quelques lumières sur ma figurine, sur l'armure. Donc c'est parti. L'important est de bien chercher le zénithal hein, pour avoir de la cohérence en termes de lumière.
Et voilà ce que ça donne sur ma figurine. Regardez. Vous voyez, on a fait ressortir le côté lumineux de la pièce pour le coup. Ça donne plutôt bien. Allez, on passe à la suite. Je viens de réaliser un petit aplat de peinture en violet au niveau des tissus. Vous voyez, c'est des toutes petites touches. Hein, je ne vous ai pas filmé l'aplat, hein, ça prenait que 30 secondes. Je pense que tout le monde sait faire un aplat sur cette chaîne YouTube. Pas vrai, les crocodiles? Allez, donc maintenant, tout simplement, je passe un petit coup de blanc. Voilà. Pour la lumière. Voilà, vous voyez, c'est vraiment rapide, ça prend une petite seconde. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. J'ai fait un petit aplat de métallique et de doré sur certaines parties de la figurine. Donc là, on voit hein, la lame à cette partie-là, les câbles sur la poitrine, la côte de maille, enfin voilà, sur la petite partie métallique. Donc, bah, je ne vous ai pas filmé ça, hein, c'est juste un aplat. Vous savez évidemment, les petits crocodiles, comment on fait un aplat. Donc là, maintenant, je vais faire un truc tout bête, tout simple. Je vais prendre du lavis noir. Et je vais le mettre par-dessus. Voilà. Voyez, ça rend bien compliqué. Et ça va vite. J'ai presque fini. Le creux de la main. La petite boucle de l'arme de chaque côté. Et rien de bien compliqué. Les petits câbles de ce côté-là. Le dessous, voilà. Comme ça, j'ai pas fait ce côté-là de la main. Alors, est-ce qu'on a bien mis partout? À l'arrière, ça semble ok. Ah, il y a ces petites parties. J'ai failli les oublier. Donc forcément, ce côté-là. Le petit câble qui est ici. Là, ça me paraît bien de ce côté-là. Une fois que j'ai posé... Ah, il y avait cette partie métallique. J'allais l'oublier. Voilà. Une fois
que j'ai posé ça, il y a des petites parties de la figurine. Je vais passer un petit coup de lavis noir pour faire ressortir les reliefs. Voilà, genre les articulations sous le bras. Comme ça, là, les mains. Vous voyez? Là, les petites pustules. Les câbles. Comme ça. Le crâne au niveau des yeux. Là, le contour. Du bois qui sort de la genouillère, ici, toutes les petites parties un peu creuses, le nurgling, là, comme ça, je refais un petit peu le sourire, les yeux, vous voyez ça? Ça rajoute du contraste, les pustules sur le ventre. Là, j'ai des petits creux, là aussi, comme ça. Tiens, on va faire aussi. À ce niveau-là, comme ça, au niveau du bois. Vous voyez, après, là, c'est de l'interprétation, hein. Chacun va faire un peu à sa sauce. Peut faire un petit peu le motif, là, comme ça permet de faire un peu les contours. Ça nous redonne un peu plus de contraste. Le petit creux là. L'articulation de la main, un petit peu le creux ici, la petite fente. Alors, on regarde bien si on l'a mis partout. Cette fois, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Un petit coup là, comme ça aussi. Le petit creux ici. Encore l'articulation de la main. L'articulation de cette main aussi. Là. Le petit creux derrière, bien qu'avec la tête, je pense pas qu'on le voit, mais voilà. Vous voyez, là, je l'ai fait partout sur toute la figurine. Ça rend plutôt bien. Maintenant, on va faire la même chose sur la tête. Voilà, le métallique ici, là, les petites boules. Les yeux, le creux, le tour. Et voilà, on a fini pour cette partie. Maintenant, je vais venir avec l'aérographe ombrer les parties métalliques au noir, tout simplement, rien de bien compliqué. Alors. Pas partout, hein, je passe pas partout, c'est vraiment sur certaines parties, ombrer certaines ombres.
Voilà. Comme ça me paraît plutôt pas mal. On va passer à la corne maintenant. Voilà, la corne du casque. Vous voyez, ça va super vite, hein. C'est rien de bien compliqué. Maintenant, on va travailler le regard. Voilà, je mets du rouge, hein, au niveau des yeux. À l'aérographe toujours. Ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre une petite goutte de blanc sur mes yeux, toujours à l'aérographe. Maintenant, je vais mettre une petite pointe de jaune. C'est bon pour le regard de braise. Maintenant, je prends un métallique argenté le plus clair possible. Mettre une petite goutte sur ma palette. Comme ça, j'ai découpé un petit morceau de mousse de blister. Hop, un petit peu sur ma mousse. On tapote sur ma feuille. Elle est où ma tête? Et là, sur la corne. Sur l'extrémité, on va venir dessus. Voilà, vous voyez, ça fait un peu l'éclat, l'impact. Ça fait un bon petit effet de lumière. Je vais venir sur ma lame, la même chose. Voilà, on insiste bien sur les extrémités. Vous voyez comment ça donne. On peut venir là aussi, la pointe qui est là. La petite boucle qui est là. Hop, le petit visage là, les extrémités des pointes qui sont là. Le petit truc qui est là, là sur la poitrine. Hop, la cloche, un petit coup. Et voilà ce que... Ah bah si, tiens, on va mettre là aussi. Même si c'est du doré, vous voyez, ça fait de l'usure argentée du fait qu'il y a eu un impact, qu'il serait cogné, enfin quelque chose comme ça. Puis ça va bien avec Nurgle de toute façon. Et donc bah, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de vernis sur ma figurine, monter tout ça, et voilà, ça fera très bien l'affaire pour de la peinture tabletop. Tabletop. Donc je vais essayer de vous faire des photos pour que vous voyez ça rapidement, peut-être à la fin de la vidéo, de mettre la photo de la figurine faite avec son socle et tout et tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous en ayez appris un maximum sur Nurgle, que ça a pu vous aider pour vos prochaines peintures d'armée. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous et encore en parler et encore à partager. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Tipeee, faire une petite donation, ça m'aiderait vachement pour continuer des super vidéos, pouvoir investir dans du super matos. J'aimerais beaucoup pour pouvoir faire des vidéos de plus en plus de bonne qualité. Et je vous dis à très vite, les amis crocodiles, pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye bye!